tout ça que je voulais faire. Petite caméra. Donc, les contrôles que tu as dessus, c'est la direction, la hauteur, tu peux changer. Les contrôles à laquelle il vole. Est-ce que tu peux contrôler la hauteur à laquelle il vole? Ah bien sûr. Tu contrôles avec ça, d'accord. T'as pas essayé? Si, j'ai essayé, mais hier, on avait un modèle qui déconnait un peu. Ah oui, d'accord. J'ai connecté. En fait, ouais, c'est un joystick, en fait. Ouais. Donc, tu descends, tu montes, tu tournes sur toi-même à droite et à gauche. D'accord. Et après, c'est le petit iPhone dans la firme. Ouais. Et l'avantage de cette interface, c'est que t'as pas besoin de regarder. Oui. Tu cliques n'importe où et il va la prendre. Tu vois? Ah, d'accord. Ah oui, et donc ça, tu c'est vachement bien. Au début, on l'avait isolé un peu dans ce coin-là et c'était pas terrible. Oui, ça te permet de garder un œil sur ton drone. Et normalement, si on entend le son. Non, ça marche pas. C'est censé faire du bruit quand t'as pris. Normalement, si t'es là, tu peux pas aller à droite. D'accord. Donc, du coup, on prévient en disant attention, tu vas pas pouvoir avoir tous les contrôles.